Autre news média, télévision. D'après mes sources personnelles, qui n'engagent que moi, la nouvelle émission de télé-réalité de la chaîne préhistorique TF1 « Qui veut épouser mon fils ?» a fait appel à une psychologue, la divine Maryse Vaillant, qui a donné son avis à l'animatrice de l'émission, la non moins divine Elsa Fayer. Je vais donc immédiatement appeler mon amie, la divine Elsa Fayer, pour lui demander si elle peut se paxer avec ma fille. Qui veut épouser ma fille? Ça peut être sympa aussi, ça, non? Assistante? Bien sûr. Jingle? Jingle. Bah voilà. J'appelle donc Elsa Fayer. Jingle. Merci. Ah. Ça sonne. Allô? Allô, Elsa Fayer? Oui. C'est Jackie du JJDA. Ah, salut, comment tu vas? Ça va et toi? Tu es en direct absolu sur EDF1, je suis en pleine émission. Non. Si. Comment vas-tu, Qu'est-ce Elsa? Que tu fais? Ben, ça va, ça va super, et toi? Ben, ça va, alors je voulais te parler de l'émission à succès, qui veut épuiser mon fils. Alors comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Tu peux m'expliquer un peu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise exactement? Bah comment tu t'es retrouvée là déjà? Ah bah, par hasard, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Non, c'est la boîte de prod qui a fait appel à moi pour le programme. Et, ouais. Et quand j'ai vu le casting et les personnages qui se sont présentés pour le programme, j'ai dit banco. J'ai dit allons-y, c'est drôle. Bon, et ça marche bien, non? Les deux premiers numéros ont bien marché? Ah bah écoute, super. Et là, j'ai appris aujourd'hui qu'on était le deuxième mot le plus téléchargé sur Twitter au monde. Ah bah c'est génial, donc. Je sais pas si tu imagines le buzz. Bah, c'est un super... Oui, c'est un super buzz pour toi. Comme on dit, ça gazouille, ça gazouille. Ça gazouille, ça gazouille. Donc t'es ravi de présenter cette émission, en fait. Ah bah oui, évidemment. Alors, mais ils sont sympas, tu l'as vu l'émission? Oui, le casting est bien, d'ailleurs. Tous les fils sont sympas. Les mamans aussi? Non, il y a les mamans ont l'air plus drôles que les fils, d'ailleurs, non? Ah non, mais c'est les deux, c'est un joyeux mélange. Ils s'aiment d'amour tendre. Ouais. Ils s'aiment tous d'amour très tendre, trop tendre. Trop tendre. Un peu trop proche, on va dire. On est un petit peu là pour casser ce petit couple. Alors, mais bon, après tout, tant qu'ils sonnent, ça va. Alors, il y a combien d'émissions là en boîte? Tu as mis combien d'émissions? Eh bien, écoute, on a 2 mois de programme, c'est parti pour 2 mois, donc il y a 8 épisodes. 8 épisodes, bah, c'est sympa. Et sinon, tu fais d'autres choses, là, t'arrêtes pas, toi, hein, Elsa? Bah, écoute, j'ai accouché. Et ah oui, en fait, tu as accouché, bravo, oui. Et voilà. Tu as accouché de deux jumelles, c'est ça? Ouais, exactement. Bah, bravo. Bah, merci. Comment s'appelle-t-elle? C'est du grand n'importe quoi, c'est très sympa. c'est gay. Et comment s'appelle-t-elle? Bah, ouais, je reprends le boulot, je reprends mon émission sur RTL9, il faut le savoir, et puis des nouveautés aussi qui arrivent bientôt, et une spéciale Lost aussi, bientôt. Donc tout va bien alors? La série Club. Bon, ok. Elsa, tu viens me voir? Tu étais déjà venue au JJDA, tu peux revenir, non? Bah, il faut que tu m'invites pour que je vienne. Je vais pas taper comme ça à ta porte, je suis quelqu'un de poli. T'as ton agenda là? Allô? Ouais. Tu as ton agenda ou non? Bon, je te rappelle leur antenne et puis je t'invite, quoi. D'accord? Eh ben avec plaisir, Jackie. Ok, salut, je te fais un gros bisou. Salut Elsa, au revoir. Salut. Et bravo pour tout, au revoir. Bravo Elsa Fayer.